السلام عليكم. عاد هاد السيمانة عاد هاد السيمانة فهمت، كان عندي الشك شوية، وخا فهمتي، وخا أنا عشت وكبرت، والدي عاش وتزادوا في الجزائر، زعما اون بارتي دو مون سون ايت الجيريان اوسي فهمتي. دونك كان عندي الشك، ولكن دابا هذا الاسبوع عاد تيقنت وعرفت علاش الترك بقاو اكثر من 3 القرون في الجزائر، وعرفت علاش عاوتاني فرنسا بقات 132 عام في الجزائر، وعلاش هاد الاستعمار تاني ديال هاد لي جينيرو بقى 57 عام وباقي عاد يزيد يطول. تجي تحسب 57 عام، 132 عام، 320 عام، راه قربت اون مواتي دو ميلينير، راه قرب نص ألف سنة، راه 500 سنة هاديك. والجزائري توجور تحت الصباط، عاد فهمت علاش بوكوا الى توجور ايتي تحت الصباط. وش عباد الله، انا فريمون جي ايتي ديسو باسكو علاش، باسكو جيتي لان دي برومي. Moi, il y a 3 mois, je l'ai déjà, je l'ai dit, 3 mois, 4 mois, je l'ai dit. Comme quoi, sans une grève générale, ou là, sans l'Aïssian Madani, vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez rien du tout. Et le cas, une occasion en or s'est présentée. 8, 9, 10 et 11. Faire grève générale. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Apprévisionnez-vous à l'avance. Chriou l'alf, ma t'alfou. C'est comme ça. Le tel, hadra, l'irsa, t'gallé comme l'alf. Mais chil mec là. Tout ma, m'shab l'alf. Alors, vous savez à qui on. L'imel kanato l'alf. Voilà. Alors, ana, quand vous l'écoutez, tout chou l'alf, qu'bel. C'est. Le hukouk. T'arrafouche. Vous ne savez pas ce que c'est. Parce que le kanktou katarf hukouk, le kanktou katarf hukouk, le haq diel hukouk, le kon chhal hadi min am, drabtou alina hna l'mgharba, le kon rakoum kitou alina hna l'mgharba, le kon hamitou alina hna l'mgharba, min les généraux diel koum. 45 ans. وهذوك لي جينيرو ديالكم والحكام ديالكم معادين معانا حنايا، مخاصمين معانا، اخترعوا دوله في بلاد عندكم في الجزائر. شغل راكم ما غاديش عاد نوض نقول لكم القصه ديال لي زاغريسيون بيربيتويل كونتينيويل ديال لو بوفوار الجيريان كونتر الماروك. سا ني با حنا، سا ني با نو الماروكان كي اغريسون الجيري، سي لانفيرس. Et jamais. Et là, maintenant, oui, j'ai compris comme quoi jamais vous ne bougerez. Jamais vous n'élèverez la voix contre votre pouvoir. Parce que là, voilà. Allah aise le rejel. Il y a une chose dont je suis fier. Wallah, là, je suis fier des Kabyles. Je suis fier des Kabyles. Là, oui, les Kabyles, c'est des hommes. Et je dis bravo aux Kabyles. Et dommage que l'Algérie tout en entier n'avait pas. Ce que je dis n'a pas de sens. J'allais dire que toute l'Algérie n'avait pas été Kabyle. Parce que si jamais elle avait été entièrement kabyle, elle ne serait pas ce qu'elle est en ce moment, tout simplement. Le compte, elle a dit qu'elle était kabyle, elle a dit qu'elle était kabyle, elle a dit qu'elle était kabyle, elle a dit qu'elle était kabyle.
عمرها ما تكون تحس بباط. فوالا سي باسكو يا d'autres personnes qui ne sont pas kabyles, qui vivent en Algérie, qui ont la trouille. Qui ont la trouille. Si. Voilà. C'est, voilà. Moi, je vous parle en étant déçu. Pourquoi l'ai-je? Parce que je m'attendais que les Algériens se ressaisissent. Oui, de nous aide. Stop. Il faut un moment où il dit savoir dire stop au pouvoir en place. Parce que là, mais là, j'ai vu tout à l'heure des interviews avec des à Alger, des magasins ouverts, discuter avec eux, on leur pose des questions, pourquoi vous n'avez pas fait de grève. Mais vous ne pouvez pas imaginer la façon qu'ils ont pour répondre. Ils savent même pas ce que c'est que grève. Ils savent, ils se passent qui va me payer mon loyer, qui va, ah non, la grève ne concerne que les salariés, pas moi, moi je suis commerçant. C'est quoi ça? Mais c'est ton avenir qui est en jeu, c'est l'avenir de tes enfants. Mais tu ne vois pas que... C'est inimaginable. Inimaginable, surtout quand je vois des gens faire des vidéos. Faire des vidéos qui encouragent le vote. Écoutez, c'est pas parce que je suis marocain que je suis contre. Non. Moi, je suis pour les Algériens pour qu'ils renaissent, c'est Aïbadullah, pour qu'ils renaissent. C'est pas parce que je suis marocain et que voilà, tout ce que je dis doit être faux. Non. J'ai posé la dernière fois une question à ces gens-là qui veulent que la situation ne change pas. Parce que c'est ça. Le fait de dire il faut aller voter, c'est parce que vous ne voulez pas que la situation change. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce que la situation de l'Algérie actuelle est passée, est bonne, ou bien était bonne? Est-ce que les gens pour lesquels vous allez voter, ont fait quelque chose de bien pour l'Algérie? Ceux qui sont, les cinq personnes pour lesquelles vous, qui sont là, les prétendants, ils étaient tous avec Bouteflika quand même. Alors, dites-moi, est-ce que Bouteflika a amélioré le sort du pays? Est-ce que Bouteflika a utilisé à bon escient les plus mille milliards de dollars engrangés par la manne pétrolière? En quoi l'Algérie est bien meilleure que le Maroc, que la Tunisie? Qu'est-ce que l'Algérie exporte que nous n'exportons pas, à part le gaz et les hydrocarbures? هذا هو السؤال اللي بغى يخصكم تطرحوا لنفسكم لهذوك اللي كيقول لك faut voter. Est-ce que votre pays est bien? Tout simplement, c'est une question simple. Est-ce que l'Algérie, est-ce que Bouteflika a fait de l'Algérie un beau pays, respectable, où il y a plein de monde qui vient le voir, où les Algériens sortent comme ils veulent chez eux, où il n'y a pas de chômage, où les gens ne fuient pas le pays, où... c'est ça des questions qu'il faut vous poser, c'est ça. Alors, automatiquement, la conclusion que j'en tire, moi, toutes les personnes qui poussent d'autres à aller voter, c'est parce que ces personnes font partie du régime. Elles ont de bonnes situations. Et puis, elles ne veulent pas les perdre. Tout simplement. Slambi. Je suis déçu parce que, bon, j'étais parmi les premiers à avoir poussé, à vous avoir poussé à faire grève ou là faire la sienne Madani sans rien casser, sans rien du tout. On dit, donc c'est Silmi. Pourquoi? Pour le meilleur, pour une Algérie meilleure, avec à sa tête des dirigeants meilleurs que ceux qui sont actuellement en poste. Voilà. C'est pour ça que je veux dire,
والبارح لو 7 لو 7 اي لو 6 ديسمبر عاد بديت كنسمع كاع اليوتيوبر الجيريان بارلي de grève générale. Mais où c'est que vous étiez il y a très longtemps? Où est-ce que vous étiez il y a plusieurs mois? Pourquoi n'avez-vous pas, comment dire, علاش ما طيبتوش علاش ما طيبتوش الشعب الجزائري توجدوه تعلموه شهرين قبل باللي تال دات اون فا فير غريف علاش علي افيك موا لو ماروكان كي لي ديزي pourquoi vous l'avez pas fait ce n'est que avant-hier que comment il s'appelle Aboud Hicham Aboud l'a dit l'autre Abdou Sommar l'a dit le Ben Sdira l'a dit l'autre المهم يلاه هاد الاسبوع هاد السيمانه هادو كيتذكروا علاش سيدي ما طيبتوش الشعب الجزائري تقول ليه فوالا فوالا دو فو لي اكسبليكي سي لا سيرش سي لا سول شوز كي فا بوفوار نو فير سورتير دو بوربيي دون لوكيل نو سوم باسكو فو لو سافي كو فوزيت دون ان بوربيي فوالا يقول هكا فوزالي كونتينيي عاوتاني les fêtes du vendredi, à sortir le vendredi prochain après les élections. Alors je vous ai expliqué comme qu'est-ce qui va se passer après les élections. Le Comral Gaït Salah va se ranger derrière le gars, derrière le gars qui sera élu. Et puis il agira comme il voudra. Et à ce moment-là, il va comme se battre et tacler à ça. Parce que c'est à ce moment-là, là ça, se battre là ça, ça sera avec qu'on charaï. دابا ما يمكنش عليكم تصبطوا على شاطر باسكو ماشي شرعي حيت هذوك الناس غير غوفرمون بروفيزوار بلا ما يدار رئيس حيت الا مشى ضرب ولا ضربوا القرطاس غادي تسمى ورا الدول الاخرى غيدوروا فيهم ولكن ملي غادي يولي رئيس شرعي ايلو صافي العسكر يقول لي ليبرتي تيرو فيكم كيما بغاو حيت غادي يشلوا يديهم ماشي حنا انا اوبيي اون نو زافون اوبيي او زوطر فوالا ودابا نشوفوا ها انتخابات هما الخميس الجاي جاي غنشوفوا الجماعه تخرجوا وشوفوا واش غتبقاو نتوما لحقوا لو 22 فيفري بروش عاوتاني كملوا عام عام ها علاش ها علاش ها علاش بقيتوا تحت الصباط مده خمسه القرون Où est le courage? Où est le courage? C'est ça la vraie question. Où est le courage? Il est là.